Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Merci à Francois pour ses traductions, un petit j'aime fait toujours plaisir. Abonnez-vous si vous aimez mes vidéos. Merci de votre visite, bon visionnage. Après les immigrés mexicains, la nouvelle cible de Trump, ce sont les musulmans. Pour contrer le terrorisme, il veut ficher tous les musulmans qui habitent aux États-Unis. Il veut aussi fermer les mosquées et empêcher toute personne musulmane d'entrer aux États-Unis. Ah, il a aussi promis de renvoyer tous les réfugiés syriens chez eux si jamais il est élu. Je veux des photos d'identité pour tous ces gens, leurs empreintes digitales, leur ADN, et je veux leur adresse aussi. Comme ça, on pourra savoir exactement d'où ces gens viennent. Oui. Dans le Coran, il est écrit que c'est toléré pour eux de faire l'amour avec des filles qui ont 7 ans, et qu'ils peuvent violer, se marier et divorcer des filles qui ont 7 ans. I'm going to read to you a few verses of the Quran. You tell me if you find them offensive. Wives should be subordinate to their husbands as to the Lord. That's offensive. Oui, c'est choquant. Slaves, accept the authority of your masters with all deference, not only those who are kind and gentle, but those who are harsh. Offensive? Oh, yes. Oh, oui. You may purchase male or female slaves from among the foreigners who live among you. You may treat them as property, passing them on to your children as permanent inheritance. Ok, c'est bon. Je crois qu'il n'y a pas besoin d'en dire plus sur cette religion. All of these verses are from the Bible, not from the Quran. Vous voyez, c'est pour ça qu'on déteste la presse, les médias et les journalistes. All those verses are from the Bible. Vraiment? That's okay.